مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية للسيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني للإعلان عن لائحة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام المنتخب البرازيل بالمغرب ومنتخب بيرو بإسبانيا. لكم الكلمة كوتش. السلام عليكم. ما أول حاجة باش نبدا نقول لكم اي واحد هنا شكرا على اللي دوزنا في المونديال اما معكم اما مع الجمهور. بغيت نقول لهم لا بروميير دي شوز سي ميرسي على الحب اللي حتىوا اللاعبه ولينا ملي رجعنا من لا كوب دي موند. بغيت نشكر سيدنا الله ينصرو على لاكوي اللي حتىنا ملي رجعنا اي سورتو على ليد اللي حتىنا قبل المونديال في المونديال le moral li htana et après le mondial donc voilà au kouchi li kaydir علينا في المنتخب. Donc aujourd'hui on va faire la présentation de la liste pour les deux matchs amicaux contre le Brésil inchallah le 25 mars au grand stade de Tanger et ensuite pour le 28 mars contre le Pérou au stade Metropolitano de Madrid. Donc comme vous allez voir avant de donner les joueurs, l'idée première li ken andi il y a de garder quand même une ossature du groupe. Comme j'ai dit, Makan Brich, l'ingratitude. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souvent beaucoup de changements. Mais c'est ce groupe qui nous a ramené en demi-finale de Coupe du Monde, Oli Farah El Mgharba. Donc, Mansaouch, le très bon travail lidero. Mais il y aura quand même quelques changements et quelques joueurs qui viendront dû aux blessures et dû aussi à l'évolution de l'équipe, de ce que je veux voir dans quelques temps et surtout à l'avenir. Voilà. Ensuite, on aura les questions, Inch'Allah. C'est ça ? Ouais. Alors voilà, les gardiens de but. Donc, on aura les trois gardiens de la Coupe du Monde. Et Ima Yassine Bono du FC Séville, Anna Mounir Khajoui de l'Ouahda en Arabie Saoudite, Reda Tagnaouti du Wydad, et on aura Mehdi Ben Abid du FUS de Rabat. Les défenseurs, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Naïf Aguerd de West Ham, United en Angleterre, Ranem Seys, le capitaine de Beşiktaş en Turquie, Nosser Mazraoui du Bayern de Munich en Allemagne, Riyad Shahdi du FC Barcelone, Achraf Dari du Stade Brestois en France, Jawed Liamik du Real Valladolid en Espagne, Abdelkader Abkar du Deportivo Alaves en Espagne, Yahya Atiatlah du Wydad de Casablanca et Ayoub Amraoui de l'OGC Nice en France. Au milieu, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, Sampdoria en Italie, les deux, Azinounahi, Olympique de Marseille en France, Benjamin Bouchouari de Saint-Étienne en France, Bilal Al-Qannous du KRC Genk en Belgique, Imran Louza du Watford FC en Angleterre et Yassine Keshta du Le Havre AC en France. Les attaquants, Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, Abdel Samad El-Zalzouli, Osasuna, Espagne, Zakaria Bouklel, Toulouse Football Club en France, Youssef El Nasseri, FC Séville, Espagne, Anas Zarouri, Burnley FC en Angleterre, Walid Chedira, SSC Bari en Italie, Abdelzak Hamdullah, Al-Ittihad Jeddah en Arabie Saoudite, Sofiane Boufal, Al Rayyan SC Qatar et Ibrahim Salah, Stade Rennais en France. Donc, on sera une liste de 30. On a beaucoup de joueurs issus de l'équipe olympique. C'est une donnée importante pour moi de préparer aussi l'avenir, qui sentent le groupe. Peut-être que dans certains de ces jeunes joueurs, en cours de semaine, ils pourraient réintégrer, pour information, les U23, parce qu'ils ont des matchs amicaux, ils préparent la Coupe d'Afrique U23. Mais l'idée pour moi, c'est de les intégrer rapidement avec le groupe qui a fait le mondial. Voilà.